Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer les nouvelles créas que j'ai préparées pour le salon de Carvin. Voilà, comme ça pour celles qui ne peuvent pas aller au salon, ben, elles peuvent voir les créations que j'ai faites pour le salon. Voilà. Et comme ça, en même temps, vous pouvez voir Fifi, parce que vous me l'avez réclamé. Ah, Fifi, dis bonjour à tes copines. Non, tu veux pas dire bonjour à tes copines? Oh, voilà. Voilà, ça fait longtemps, hein, vous l'avez vu. Voilà, aujourd'hui, elle a voulu monter avec moi. Hein? Fais un bisou, Fifi, tu fais un bisou? Oh oui, elle fait des bisous. Alors, aujourd'hui, donc j'ai refait quelques créations. En même temps, après, je vous remontrerai, celles que je vous avais déjà montrées là, précédemment. Bah, pour celles qui ne les auraient pas encore vues. En sachant que là, je vais encore en refaire quelques-unes. Puisque, bah, je trouve que j'en ai... Bah, non, j'en ai pas assez, de toute façon. Et puis, de toute façon, là, il me reste encore... On est quoi, le 5, 6? On est le 6. Et le salon a lieu le 19 octobre, donc à Carvin. Donc, j'ai encore le temps de faire quelques créations d'ici là. Voilà. Donc là, je vais faire les créations que je vais faire là cette semaine. Ce sera des choses différentes. Par contre, qui vont être plus rapides à faire. Et sinon, ouais, voilà. Alors, je vais vous montrer dans les choses que vous connaissez déjà. J'ai refait une boîte livre. Alors, celle-ci est molletonnée sur le dessus. Voilà, avec un tissu, un joli tissu avec des roses. Voilà, donc blanc. Avec là des roses sur le côté, un tissu coordonné. C'est Fifi. Non, Fifi, Fifi, Fifi. Voilà, alors on va la descendre un petit peu, hein, parce que là, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, toujours avec une attache, avec un aimant. Alors, je vais poser pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Voilà l'intérieur de la boîte. Non, montre pas tes fesses. Voilà, l'intérieur de la boîte. Oui, comme ceci. Le dessous. Et toujours les petits coins en métal. Allez, pousse tes fesses. Ça ne change pas, vous avez vu? Vous avez voulu la voir? Ben, vous la voyez. Voilà, les petits coins en métal. Donc là, je vais la mettre sur le côté parce que vous l'avez vu. Alors, une boîte que je n'avais jamais faite. Voilà. Non, bon, Fifi. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, c'est un peu plus grand. Vous allez vous demander ce que c'est. Alors là, il me reste à mettre... Bon, Fifi, s'il te plaît. À la fenêtre, j'y suis. Voilà, donc là, par contre, il va me rester à mettre des attaches parce que ça va être une boîte que l'on va attacher au mur. Voilà, donc là, j'ai mis un petit bout de tissu simili-cuir. Voilà, la petite poignée qui va bien pour l'ouvrir. Attendez, je le pose pour pas faire de bêtises. Voilà, avec une petite porte, et voilà ce que c'est. C'est une petite armoire à clé. Voilà, avec son petit tiroir. Je vais vous ouvrir le tiroir. Voilà, hop. Hop, hop, hop. Et voilà son petit tiroir avec le fond en vichy noir et blanc. Donc là, vous avez 5 crochets pour accrocher les clés.
Donc, vous voyez, ici, je vais mettre deux petites attaches. Je m'aperçois maintenant que j'ai oublié de les mettre, mais je vais les mettre. Ce sera plus pratique. Voilà, avec une fermeture à aimant sur le côté. Voilà. Donc, ça, c'est l'armoire à clé. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à ma tête, la grandeur. On va mettre dans le bon sens. Hein. Donc, ça, c'est une armoire. Attendez, je vais vous mesurer. En hauteur, elle fait 25 cm. Voilà. La petite armoire à clé. Non, Fifi, fais pas bouger la caméra. Ensuite, là, non, il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté est ici. Alors là, Fifi, il va falloir que tu bouges parce que ça, c'est gros. Ça, vous commencez à connaître. Voilà, mais j'en ai fait une pour le salon. Je voulais absolument en faire une, ce qui est normal. Voilà, une commode. Ah, Fifi, bouge. Voilà. Hop. Qui fait son poids. Une commode dans le même tissu que la première boîte que je vous ai montrée. Hop. Donc, on va essayer d'ouvrir à l'envers les tiroirs. Oups. Ah bah oui, il s'ouvre tout seul. Voilà. Donc, un tiroir sur deux, il y a le tissu tout fleuri ou le tissu blanc avec les petits bouquets de roses. Voilà. Donc, celui où il y a ça devant, bah, c'est le tout fleuri. Celui où il y a ça devant, c'est le tissu blanc. Voilà, donc il y a 5 tiroirs. Voilà. Donc là, je n'ai pas fait de séparation. Hop, hop, hop. Je n'ai pas fait de séparation exprès. Alors, je ne sais pas. Bon, je vais voir si j'ai le temps. Je vais peut-être construire des séparations, mais amovibles, pour montrer que je peux mettre des séparations. Mais bon, je verrai. Voilà. Donc, si je la vends au salon, on verra bien. Donc, la personne pourra peut-être l'acheter donc directement avec les séparations, mais elles seront amovibles. Voilà. Elle pourra les mettre ou ne pas les mettre. Voilà. Je vais voir. Ça, je vais voir par la suite. Et dans ce cas-là, je la ferai pour deux tiroirs, pour ces deux-là, pour les deux grands. Mais bon, ça, je réfléchis encore si je vais le faire. Ensuite, alors ça, c'est très grand. Oh, isse. C'est gros. Alors, je crois que je l'avais déjà montré en cours de construction. Ça, c'est une boîte à ouvrage. Le modèle XXL. Voilà, j'avais déjà fait des boîtes comme ça, mais beaucoup plus petites. Donc, que vous aviez certainement déjà vu dans les précédentes vidéos. Mais là, j'ai fait la boîte XXL pour pouvoir mettre beaucoup de choses dedans. Et celle-ci, donc, est brodée. Donc, c'est une broderie que j'avais fait moi-même. C'était une broderie DMC. De toute façon, on le voit, hein, puisque en dessous, c'est DMC, voilà, vous voyez, je vous montre la broderie, en monochrome, oui, c'est bien ce que je dis, en rouge, donc, hop, le dessous est en noir, alors, celle-ci est terminée, mais il va y avoir deux petites poignées de chaque côté, parce que vous voyez quand même, c'est, mais j'ai pas encore reçu mes poignées, c'est pour ça, elles sont pas encore dessus, là, je devrais les recevoir cette semaine. Donc, il va y avoir en plus deux poignées pour pouvoir la porter comme ça. C'est deux poignées qui se replient. Parce que j'avais des poignées, mais qui restaient droites. Et je n'aimais pas. Ça faisait bizarre de voir deux poignées qui sortaient là, comme ça. Donc, j'en avais commandé. J'ai commandé deux poignées, mais qui se rabattent. Et là, je les attends. Je devrais les avoir ici cette semaine. Donc, ça, il n'y a pas de souci, je vais les refixer, j'en ai pour 5 minutes. Donc, cette boîte aura deux poignées de chaque côté, enfin, une de chaque côté, voilà,
pour pouvoir transporter la boîte, la changer de place, ou voilà. Donc, je vous la montre. Je soulève le couvercle. Donc, c'est juste un couvercle qui soulève, comme ça. Donc, avec la petite broderie. Le dessous est en noir. Voilà, vous voyez, tissu. Donc, ça, le tissu noir, c'est un tissu qui vient de la boutique Pick & Patch. Hein, je vous en parle régulièrement, de mon amie Sylvie, qui sera également sur le salon de Carvin. Et vous n'aurez pas à chercher loin son stand si vous venez, parce qu'elle sera juste à côté de moi. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez elle. Et voilà l'intérieur. Oui. Donc, il y a une petite boîte amovible. Voilà, pour y mettre ces petites bricoles. Et l'intérieur qui est tout simple, hein, pour y mettre ses ouvrages. Voilà. Donc là, il y a... je suis là. Un rebord de chaque côté pour pouvoir y poser la petite boîte amovible. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous avez votre petite boîte où vous mettez vos ciseaux, votre fil, votre dé, vos aiguilles, enfin ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir non plus que pour la broderie. Vous pouvez vous en servir aussi pour le tricot, pourquoi pas. Pour la couture, pour ce que vous voulez. Donc, pareil, ici, sur les coins, il y a les petits coins en métal. Hein. Moi, vous savez, je mets toujours les petits coins en métal partout pour pas que ça s'use. Voilà, donc, la boîte XXL. Alors, elle mesure, je vais vous dire, je n'ai plus trop les mesures en tête, mais dans l'autre sens. Elle fait 25 de haut, 35 de large, et en profondeur, elle fait 26-27. Voilà. Vous voyez, c'est quand même déjà une belle boîte. Voilà. Donc, il y aura les petites poignées ici. De chaque côté. Oups. Voilà. Ensuite, donc pour les nouveautés, c'est tout. Alors, je vais vous remontrer. Ça, c'est ma bannière. Je vous la montre. Voilà. J'ai ma petite bannière qui aura sur mon stand. Comme ça, vous pourrez me retrouver facilement. Car je suis inscrite pour un autre salon également. Alors celui-là n'a pas lieu tout de suite. Hein. Il aura lieu au mois de juin. Mais je vous en reparlerai. Hein. Et celui-là de salon aura lieu à Mont-Saint-Barœul, près de Lille. Et je serai toujours accompagnée. Stand à côté de mon amie Sylvie, la boutique Pick & Patch. On fait encore le salon ensemble. Voilà. Mais là, je vous en reparlerai le moment venu. Donc, ce sera. Alors, la date. Je crois que ça doit être le 13 juin. Mais je vous en reparlerai, celui-là de salon. Alors, il y aura sur le stand. La petite couverture que j'avais faite, voilà, j'y ai rajouté depuis les petits carnets. Alors ces carnets là vous les connaissez, hein, je pense, pour montrer à quoi sert la couverture. Voilà, voyez, donc j'y ai rajouté les petits carnets. De travel notebook. Donc on peut en mettre un quatrième, hein, dedans. Donc ça, il sera sur le stand. Mais ça, vous, je pense que vous le connaissiez déjà depuis un moment. C'était une commande qu'on m'avait fait et qui avait été annulée. Mais bon, il sera sur le stand. Donc voilà. Celui-là est surtout chabi-chabi. Voilà, donc avec ces petits carnets à l'intérieur,
Ensuite, donc ça c'est les modèles que vous avez déjà vus, hein, mais je remonte pour celles qui n'ont pas vu. La boîte à ruban. Alors la boîte à ruban, je lui ai fait une petite modification. Voilà, ici. Je ne mets pas le dessus, donc je lui ai remis un ruban pompon sur le dessus. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Donc avec son petit tiroir. Son petit tiroir. Voilà. Alors ça, c'est un tissu aussi qui vient de chez Sylvie, hein, de Pick & Patch. Et l'intérieur, vous pourrez mettre vos rouleaux de dentelle, de ruban, tout ce que vous voulez, et que vous ferez dépasser par ici. Voilà. Yeah. Ensuite, on arrive donc sur les petits chaussons. Alors, j'en avais plus, mais j'en ai vendu entre deux. Donc, si j'ai le temps, j'en referai. Si j'ai pas le temps, bah, il n'y aura que ces quatre-là. Les petits chaussons pique-aiguille. Voilà. Donc, un petit vert, un petit bleu fleuri. Un petit bleu à pois et un noir, oui, noir et blanc, voilà. Ensuite, pardon, la boîte à couture, enfin la boîte pour la machine à coudre. Alors, celles qui ne l'ont jamais vu, je vous explique pourquoi c'est la boîte machine à coudre. Donc là, vous avez le petit tiroir, enfin, le grand tiroir pour y mettre des bobines de fil, tout ce que vous voulez. Un petit tiroir, oups là, je vais mettre mon doigt. Un petit tiroir vide où vous pourrez mettre, pareil, des ciseaux, le petit ciseau, le dé à coudre, les aiguilles, tout ce que vous souhaitez. Et les deux derniers tiroirs. Voilà, pour y ranger les canettes de la machine à coudre. Donc, dans chaque tiroir, vous pourrez mettre 25 canettes. Voilà. Celle-là, j'aime bien de boîte. Si un jour j'ai le temps, je m'en ferai peut-être une pour moi. Donc, voilà, je vais remettre mes petits chaussons derrière. Et les dernières boîtes, donc celles-là, vous les aviez toutes vues, hein, normalement. Mais je les remontre, je me répète. Hein. C'est les boîtes livres. Donc, la boîte cocotte. Voilà. Hop. Donc, qui se ferme. Bon, là, je ne l'avais pas fermé. Mais qui se ferme avec un ruban boutonnière. Ça, c'est le petit bouton cœur. Donc, elle se referme à l'intérieur. Et voilà, avec des petites cocottes à l'intérieur. Celle-ci, la boîte papillon. Voilà. Donc, celle-ci, un aimant. Là, l'intérieur est fait avec un simili-cuir. Donc ça, là, je vous ai dit, c'est un aimant. Et toujours, hein, vous avez vu, ça c'est ma marque de fabrique. Les petits coins en métal. La boîte avec les petites maisons. Donc, je vais quand même en refaire une ou deux. Il y en a une qui est en cours de fabrication. Qu'est-ce que j'ai fait comme tissu? C'est Mickey, je crois. Ouais, elle est en cours de fabrication. Et je vais peut-être en refaire une ou deux pour faire des modèles enfants, quand même. Pour que les enfants puissent ranger leurs petites affaires. Et là, alors, hop. Donc, ici, voilà. Toujours avec la fermeture aimant.
Et celle-ci, que beaucoup ont aimé sur Facebook, modèle japonais. Voilà. Donc, hop. C'est vrai que ce tissu est très beau. Celui-là, c'est un tissu que j'avais depuis un moment, mais je ne sais plus où je l'ai eu, par contre. Voilà. C'est vrai que ce tissu-là est très très beau, est vraiment très beau. Donc voilà, pour l'instant. Donc Julie va quand y avoir quelques petites créations, mais des grosses créations, il n'y en aura plus. Maintenant, je vais en faire des plus petites, parce que mon stand, il n'est pas à rallonge hein, non plus. Donc il faut quand même que je fasse des choses qui puissent rentrer sur le stand. Voilà, Fifi est revenue. Voyez, elle a été sage, elle m'a laissé vous montrer les créas. Donc maintenant, il va y avoir des créations plus petites. Hein. Bon, pas plus petites que, que les boîtes livres, hein, mais je veux dire plus petites que la commode, que la boîte à ouvrage. Voilà. Donc, mais des choses différentes. Sinon, ouais, je pense que je vous ai tout montré. Oui, oui voilà, j'ai rien oublié. Et voilà, il y a ma mémère qui met son ventre à l'air pour que je fasse des gratouilles. donc voilà. Donc je vous rappelle, pour celles qui ne le savent pas, donc j'avais mis une page événement sur mon Facebook, sur la page de la boutique, pour rappeler pour le salon, pour savoir à peu près qui allait venir. Là, du coup, celles qui n'ont pas Facebook, bah écoutez, si vous êtes dans mon coin, si vous êtes dans le Nord, et que vous pensez venir au salon de Carvin, dites-le moi ici en commentaire, comme ça je saurai à peu près qui va venir me rendre visite au salon, comme ça, ça me fera plaisir, je saurai à peu près qui vient. Alors, je vous avais dit sur la dernière vidéo qu'il y aurait un événement sur mon stand. Alors, parce qu'il y a une création que je vais faire que vous ne verrez pas en vidéo. Enfin, je ne sais pas. Je vous la montrerai peut-être, je ne sais pas. Lors du salon de Carvin, je vais organiser un concours. J'ai demandé l'autorisation aux organisateurs pour savoir si j'avais le droit. Hein, parce que je sais qu'ils organisent aussi une tombola. Et donc, ils m'ont dit que oui. Au contraire, je pouvais le faire. Donc, j'organise un concours gratuit sur mon stand. Ce sera avec un tirage au sort. Donc, je vais mettre des petits papiers sur mon stand. Donc, vous n'aurez qu'à les remplir, mettre votre nom, votre email, votre téléphone et votre ville. Et je vais faire une boîte, une petite urne, où vous mettrez les petits papiers dedans. Voilà. Donc, je ferai le tirage au sort vers la fin du salon. Donc, je crois que le salon se termine vers 18h. Donc, je ferai le tirage au sort vers 17h, je pense, pour faire gagner une de mes créations. Voilà. Donc, je ne sais pas encore laquelle. Là, j'y réfléchis encore. Parce que ben, déjà elle n'est pas encore fabriquée. Voilà, je vais la fabriquer et donc sur mon stand il y aura une de mes créations à gagner. Donc si lors du tirage au sort, je vais l'expliquer tout de suite, lors du tirage au sort et lors du tirage au sort, si la personne n'est plus sur le salon, qu'elle ne s'inquiète pas. Comme j'aurai son numéro de téléphone ou son email, je la contacterai bien sûr pour lui dire qu'elle a gagné et avoir son adresse et je lui enverrai la création à son domicile, bien sûr. Hein, il n'y a aucun problème. Par contre, je tirerai au sort peut-être une personne en plus au cas où je n'ai pas de nouvelles de la personne. Voilà. On va dire une roue de secours. Voilà. Donc, il y aura un concours donc, sur mon stand. Voilà, pour faire gagner une création. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Et donc, je vais vous remettre à la fin de la vidéo l'affiche du salon.
Hein, comme ça, vous aurez toutes les coordonnées, l'adresse du salon, etc. pour celles qui veulent y venir. Et puis, ben voilà pour aujourd'hui. Hein, ma fifille? Oui? J'espère que vous avez été contente de voir Fifille, hein, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui me l'ont réclamé. Ah, ma grosse. Oh, qu'est-ce qu'on entend? On entend papa en bas? On entend papa. J'espère que vous avez été contente de voir Fifille. J'espère que vous avez été contente de voir mes créations pour le salon. Comme ça, ben, celles qui ne peuvent pas venir les auront vues. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Là, je retourne faire mes nouvelles créas. Je vais essayer d'en faire une ou deux aujourd'hui. Et ben, c'est dimanche, hein, donc je vais voir. Ou alors, je fais relâche aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais bien voir. Et on se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Je vais voir ce que je vais vous faire dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas. En ce moment, je ne sais plus rien. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dans le salon à fond. Et du coup, j'ai plein de choses à penser. Là, il faut que je commence à préparer mes choses pour rien oublier pour le salon. Donc, je ferai également, lors du salon, je ferai certainement une création pendant le salon. Voilà, donc il faut que je prépare cette création pour pouvoir la faire sur place. Voilà, comme ça on verra comment je fais une créa. Donc il faut que je prépare cette création également. Puis donc voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Mes filles, elles font des gros bisous. Oui, elle te faire sa fofolle à montrer son bras ventre. Viens, viens maman. Viens avec maman. Viens. Voilà. Oh là, moi tu m'as bébé. Oh oui. Oh, regardez, mais c'est sa papa derrière le cou à maman. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Fifi vous fait des grosses léchouilles. Et on vous dit à toutes les deux, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous. À bientôt. À bientôt. Miaou, miaou, miaou.